Salut, bonjour à tout le monde. Hello everybody. Exercice numéro 4, exercice number 4. Okay, il y a les intervalles ici, all intervals, not all intervals, we have this one, we have, this is the third, we have this one, octave, and we have this one, and we have this one, octave, this is six, and this four, interval of fourth. Nous avons des intervalles ici, des tierces. Nous avons les octaves, nous avons le sixième et nous avons l'intervalle du quatrième, le quart et les accords. Si vous avez difficulté de jouer, vous pouvez jouer. Okay. Alors, on commence ici. Alors, troisième, deuxième corde, on les joue, c'est l'intervalle de tierce, c'est sur la neuvième case. Ok. On joue trois fois. So, 9 frets. So, you are bearing those, you are playing this interval of third. So, it is the third string and the second string, 9 frets. You're gonna hit 3 times. And then you have this interval here. Three strokes here, or so. Donc c'était ici trois fois que tu prends cet intervalle, puis l'accord, trois coups. Jouer maintenant ça, c'est tout simplement cet intervalle de sixième qui est sur le doigt ici et sur le sixième fret, donc la sixième case, troisième corde, cinquième case, deuxième corde. So six fret, third string, second fret, second string, and then put this finger here and play. So, and then this finger here,
It's a pull out. Okay. Then back to E major, 3 stroke. Retour sur la mi majeur, 3 coups. Ok, from here. Ce doigt, il doit venir glisser. Jusqu'à la 9e. Jusqu'à la 9e fret. Ou à la 9e case. Et directement, dès qu'il fait comme ça, celui-là, il fait. Ici, c'est la 12e case. Première corde. Parce qu'on est dans cette position. Puis on va demi-ton. Et puis on va un ton. Et puis on va. Bon, c'était demi-ton, bien sûr. Mais une case, ils ont pas mon des cases. Une case, 2 cases. So from here, you need to slide this finger until the 9th frets, and then your pinky is on the 12th frets, first string, and then you hit. Finish with this. And then here, just when you wait. Here it is like it is 8th fret here, 3rd string, and then here 7th fret, and then you move to fret down here, and then you're gonna bar here to play the 3rd string. String. And then pinky, 7th frets, 2nd shake, 2nd string. Ici, c'est la 8e case, 3e corde, et puis ici, c'est la 7e case, 1er corde. Donc, vous jouez, vous avancez les 2 cases, vous barrez ici, pour jouer 3e et 1er corde, et puis après, le doigt ici.
septième case, deuxième corde. Et puis, on finit avec l'accord. Deux coupes seulement. Here, if you have difficulty to play, you can just play. And then, tu peux aussi jouer comme ça. Si tu peux pas faire. C'est tout, hein. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis voilà.